Kinoki, page 40. Révision. Révision. Dis le son voyelle que tu entends dans la première syllabe. Exemple. Une craie. Une craie. La voyelle qu'on entend dans la première syllabe est bien le E. E. Une craie. Un bras. Un bras. La première voyelle que l'on entend dans la première syllabe, c'est bien le A. Un bras. A. Une chaise. Une chaise. Une chaise. La première voyelle que l'on entend dans la première syllabe est bien le E. Une chaise. Une fée. Une fée. La première voyelle que l'on entend, c'est bien le E. Une fée. Une épée. Une épée. La première voyelle que l'on entend dans la première syllabe est bien le E. Une tête. Une tête. La première voyelle que l'on entend, c'est bien le E. E. Une tête. Une cheminée. Une cheminée. La première voyelle que l'on entend dans le mot, c'est bien le E. E. Cheminée. Cheminée. Ensuite, un melon. Un melon. La voyelle que l'on entend dans la première syllabe est bien le E. Un melon. Dis le son consonne que tu entends au début de chaque mot. Au début de chaque mot. Exemple. Une niche. Une niche. Niche. La consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le N. Niche. Une niche. N. Une voiture. Voiture. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le V. V. Voiture. Un cheval. Un cheval. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le ch. Cheval. Un vélo. Un vélo. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le v. V. Vélo. Un chat. Un chat. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le ch. Un chat. Une valise. Une valise. Le son consonne que l'on entend en premier est bien le V. Valise. Neuf. 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 Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le N. Neuf. Neuf. Du chocolat. 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 Le son consonne que l'on entend est bien le ch. Chocolat. Un nid. Un nid. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le n. N. Nid. Nid. Une chèvre. Une chèvre. Le son consonne, c'est bien le ch. Chèvre. Un nœud. Un nœud. Le son consonne que l'on entend au début de ce mot est bien le N. N comme nœud. Nœud. Ensuite, et la dernière image, une vache. Une vache. Le son consonne que l'on entend en premier dans ce mot
Eh bien, le V. Vache, vache, vache. Tauki, page 40. Dit. Ch, et v, n, a, e, i, y, n, l, s, e, r, r. Ensuite, n, n, v, v, o, e, c avec un h, ceci nous donne ch, ch, y, l, u, n, comme n, n, i, e, ch, et m, m comme maman. Ensuite, li les syllabes. Li les syllabes. Cha, né, vi, fu, vu, no, as, chi, vin, va, chaud, chaud. V, chu, ra, chair, na, veu, lo, che, chez, nu, vais, vais. Lis les mots, lis les mots. Un vélo. Un vélo. La sonnerie. La sonnerie. Le charme. Le charme. La savane. La savane. La forêt. La forêt. Une ruche. Une ruche. La vache. La vache. Le chêne. Le chêne. Le nid. Le nid. Lis les mots outils. Les mots outils. LES, on dit bien les. Les, car c'est au pluriel. Les vélos. Les chevaux. Les vaches. Il y a plusieurs choses. S-O-N, on dit son, pas sonne. Son, son vélo, son cheval, son nœud. OK? Parce que c'est le sien, ça lui appartient. C-A-R, on dit car. Car il est parti très loin. A, U, S, S, I, ça nous donne surtout cette lettre-là. Un A avec un U, ça nous donne O. On dit O. Aussi. O, si. Aussi. Et enfin, A. A. Lis l'histoire de Taoki. Ta-o-ki marche dans la forêt avec ses amis. Taoki marche dans la forêt avec ses amis. Il s'affole car il a
remue et la ruche. Il s'affole car il a remué la ruche. Car, on entend bien le mot car. Vous voyez? Car. Car il a remué la ruche. Sa narine est énorme. Sa narine est énorme. Mais le rassure. Mais Lily le rassure. Ta au qui a aussi une manie. Il lèche. Taoki a aussi une manie. Il lèche. Aussi. Voyez? Taoki a aussi une manie. A aussi. Aussi. Nous l'avons là. O. Aussi. Li. Li. Se. Fa. Che. Car. C'est mal. Lily se fâche car c'est mal. Car, on le retrouve encore ici. C-A-R. Car. Les amis sont à vélo dans les allées de la forêt. Les amis sont à vélo dans les allées de la forêt. Les amis, les, on le retrouve aussi ici. Les, L-E-S, les. On ne dit pas les amis, non. On dit les. Hugo lâche le vélo et sa falle dans le fossé. Hugo lâche le vélo et s'affale dans le fossé. Taoki marche dans la forêt avec ses amis. Il s'affole car il a remué la ruche. Sa narine est énorme. Mais Lily le rassure. Taoki a aussi une manie. Il lèche. Lily se fâche car c'est mal. Les amis sont à vélo dans les allées de la forêt. Les amis sont à vélo dans les allées de la forêt. Hugo lâche le vélo et s'affale dans le fossé.